Michel Galabru, comment ça va? Ben, vous savez, j'ai été malade, hein, alors je suis forcé un peu pour venir parce que t'es pas brillant, quoi. Enfin bon, on va voir, hein, comment ça va aller. Ça doit aller normalement. Alors vous êtes ici dans l'Yonne, un département que vous connaissez. Oui, Vous avez quelques relations notamment avec les amis de télédiffusion. bien entendu, Et oui. j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu pour nous Oui. sur ce parrainage, sur cette amitié. Comment vous les avez connus et pourquoi vous les avez parrainés? Ah ben, ils ont été très aimables dès l'entrée parce que on était allé là dans un petit village, je me rappelle plus comment il s'appelle, où il y avait la création, c'était assez extraordinaire, d'un poste de radio et de télévision. Alors, c'est un événement quand même parce que c'est une création. Donc, on a joué. Je me souviens, un spectacle, et après, nous avons fait, ou avant, l'inauguration de ce nouveau poste. Et vous avez gardé de bons contacts avec Ah l'équipe? ben, ah oui, parce que ce sont... On a toujours des amis, en étant... Et puis, oui, on avait des amis, et puis ils nous ont célébrés, ils ont été agréables, ils ont fait un bon dîner, c'est toujours pareil, hein, si vous voulez, mais On les vous gens... achète avec un bon dîner, donc c'est ça que vous nous Voilà. dites. Mais oui, vous pouvez pas donner un sandwich et puis vous en donner. Il faut que ce soit un peu correct, quoi. Bon, alors on a eu un très bon repas. Moyennant quoi, ils ont été satisfaits. Et du coup, vous avez gardé des contacts et Voilà. vous êtes ce soir donc à Oui, Auxerre, voilà. retour dans l'Yonne donc. Vous allez jouer le cancre. Oui. Vous êtes vraiment un cancre? Non. Oh, si. Vraiment? Oui, c'est cancre. C'est Oui, quoi un j'étais. cancre, Michel Un cancre, Galabru? c'est un type. D'ailleurs, l'étude n'est pas faite assez stricte. Un cancre, c'est quelqu'un qui. C'est pas attention, hein, attention, c'est pas un individu qui a mauvaise volonté. C'est quelqu'un qui ne s'adapte pas à ce qu'on lui propose, à des études. Il est mal propre à faire des études, en tout cas de la façon dont on les lui présente. Vous voyez? Alors vous êtes un cancre sur scène, mais dans la vie, c'est pas le cas. Dans la vie, mon Dieu, quelquefois le cancre dans la vie est mieux que le premier de la classe. C'est quelqu'un qui n'est pas banal, quelqu'un qui est original, c'est quelqu'un qui, si on savait le prendre, donnerait des étincelles. Enfin, c'est un homme brillant, mais on ne sait pas le prendre, donc il fait rien. Il faut rien, c'est un cancre, la mauvaise volonté, voilà. Michel Galabru, vous avez conscience évidemment que vous êtes un monument de la culture Un française. monument, que sont encore des C'est mots trop, c'est. déconsidérés. Et ce soir, la salle, c'est une nouvelle salle en plus. Elle sera à guichet fermé, hein, c'est confirmé. Quand vous voyez justement l'amour de votre public, l'amour du public et en plus de toutes les générations, c'est une question banale, mais ça vous fait quoi? Ça vous fait toujours. Ça vous étonne toujours? Oh ben, ça fait mieux que quand il n'y a personne, ça fait vraiment. C'est la différence qu'il y a une salle vide et une salle pleine. C'est capital, oui. Non, non, c'est très agréable. Quand le monde vient vous voir, vous applaudir, c'est considérable. C'est considérable, c'est. Ça vous apporte du bien-être, de la considération, de... Voilà. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai interviewé avec Jean-François ici présent, Michel Bouquet, il n'y a pas longtemps. J'ai Ah oui. l'impression que vous avez la même énergie tous les deux quand vous montez sur scène. Ça, je ne sais pas comment est Michel Bouquet, hein. Mais moi, je suis comme je suis, c'est-à-dire que, mon Dieu, je suis un cancre, quoi. C'est pas merveilleux, mais enfin, c'est à considérer. Chaque être sur Terre est à considérer. Le cancre est une espèce spéciale qui demande de la considération. Voilà. Et comment vous avez mené votre carrière? Est-ce que on va peut-être pas revenir sur l'ensemble de la carrière, mais le fil rouge de votre carrière, est-ce que vous aviez un plan de carrière, comme on Ah dit non, aujourd'hui? non, comment voulez-vous avoir un plan de carrière? Vous ne savez pas du tout ce qu'on va vous demander. Non, non, pas du tout. Ça, c'est des utopies.
Non, non, vous n'avez pas, vous pouvez pas avoir le plan de carrière. Vous êtes pris dans la masse et on s'aperçoit que vous êtes à la traîne, on s'aperçoit que vous ne faites rien, on s'aperçoit que vous êtes un va-nu-pied, que vous êtes un vaurien, c'est-à-dire que vous ne valez rien. Alors c'est et puis à peu, peu à peu, peu à peu, on finit par voir que vous valez beaucoup. Tout le paradoxe est là. Comment ce garçon qui n'a l'air de rien est quand même intéressant. Voilà. C'est un petit peu le mot de la fin de cette interview, finalement. Ben, il n'y a pas le mot de la fin. La fin, c'est que c'est toujours le recommencement. Voilà. Merci, Michel Galabru.